l'entends comme moi là. Mais c'est trop bizarre, comment il est arrivé dans notre maison? En plus c'est un chaton, il est tout jeune. Donne-moi. Esteban, il s'est passé un truc horrible. Il y a un monstre qui m'a poursuivi et qui a pris le chat. Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Oh là là, on était chez nous tranquille et on a trouvé un chat qui était abandonné par sa famille. On sait pas comment il est arrivé chez nous. Mais cette histoire est vraiment trop étrange. Bon allez, on vous laisse découvrir ça avec nous. Et surtout, mettez un like et un commentaire si ça vous plaît. Lily-Rose, t'entends comme moi là? Ouais, moi aussi j'entends, mais c'est bizarre. J'entends comme un miaulement là, mais et c'est... t'as ramené des bêtes ici, t'as ramené des rats? Ouais, c'est bizarre, je sais, j'entends depuis tout à l'heure. Ah, va voir ce que c'est là, j'ai pas envie d'aller voir, ça tombe, c'est un monstre qui est caché quelque part. Oh, ça me dégoûte. Je suis sûr que t'as ramené des rats de ton école là. Dans ta classe, vous faites des élevages bizarres. N'importe quoi, dans ma classe, y'a pas de rats, y'a juste 3 souris. Bon, allez, je vais voir ton monstre là. N'importe quoi, t'as peur de tout, toi, de toute façon. Bon, allez, je vais voir. Hein. Bon, allez, on va bien voir ce que c'est, ce miaulement. Alors. Oh, mais. Y'a un petit chat. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? On n'a pas de chat. Oh, t'es trop mignon. Mais c'est trop bizarre. Comment il est arrivé dans notre maison? En plus, c'est un chaton, il est tout jeune. Allez, viens ici, viens. Il faut que je prévienne Esteban. C'est pas normal d'avoir ça ici. Oh. Bon, Lily-Rose, qu'est-ce qui se passe là? Moi j'en ai marre de toi, hein. À toujours me dire avec des bêtes là, à dire ah là 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 là, j'entends des miaulements. Là, là. Oh mon petit, on va t'appeler comment? C'est quoi ça? Un chat? Mais qu'est-ce qu'un chat vient faire ici? J'ai jamais signé pour avoir un chat. Y'a un chat, y'a un... Ah, oh, y'a personne, c'est vrai, je suis tout seul ici. On va virer le de chez nous. Non, 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 il est hors de question qu'on le mette dehors. Y'a pas de famille, c'est bon. Oh là là, t'es tellement mignon. Ah ouais, c'est un chaton. Du coup, comment on va faire? Bah, on peut pas l'accueillir, on n'a pas la place. Ah bah, on le met dehors, c'est pas grave, il trouvera bien une maison. Non, même pas en rêve. Ce chat, il est arrivé tout seul, j'ai rien ramené de l'école. Même dans l'école, on n'a pas de chat, c'est bon. Oh, regarde, il m'aime déjà bien. Il a dû se faire abandonner par sa mère. Et quand il a vu que la porte du jardin était ouverte, et bah, il est venu, parce que voilà, c'est un chat gentil. Bon, bah, si tu veux pas le garder, moi, je le garde toute seule. Et d'ailleurs, je l'ai déjà adopté, voilà. Je sais pas quel nom je vais lui donner, mais je l'ai déjà adopté parce qu'il m'aime bien, il griffe pas, il mord pas, c'est un chat très gentil. Ouais, Lily-Rose, reste dans cette pièce-là. Ouais, bah, fais pas de bêtises avec le chat, hein. Oh, le pauvre chat. Mais bon, on peut pas le garder, on n'a pas le temps pour toi. On va devoir te laisser dehors. Alors, qu'est-ce qu'il va raconter? Oh non, il veut déposer le chat quelque part. Il faut que je trouve un moyen pour le garder. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vas retrouver une famille. Ou peut-être que tu retrouveras rien du tout. Mais je sais pas m'occuper d'un chat. En plus, on doit aller voir le vétérinaire pour le faire vacciner et tout. Bon, c'est décidé. Il faut qu'on garde ce chat. De toute façon, il n'a pas de famille. Bon, c'est pas grave. Je vais aller dehors. Je vais le déposer à un endroit et... Oh mais t'es tellement mignon en même temps. Bon, Esteban, il faut que je te dise un truc. Si t'abandonnes ce chat, il faut que tu m'abandonnes moi aussi. Et de toute façon, je ne te parlerai plus jamais, c'est sûr. Y a pas de chantage avec moi. Ce chat, on sait pas où on l'a eu. On sait pas s'il est malade, on sait pas ce qui se passe. Ça tombe, c'est un piège de quelqu'un. Bon, peut-être pas, mais bon. Moi, je vais dehors et je le laisse. Allez, petit chat, t'inquiète pas. Tu vas retrouver ta famille, si t'en as encore d'ailleurs. Allez, ciao Lily-Rose. Bon, petit chat, désolé. Notre aventure s'arrête ici. Je peux pas te garder, même si t'as pas de famille. Reviens plus me voir. Quelques instants plus tard, Lily-Rose a décidé d'aller retrouver le chat. Mais ça s'est pas passé comme prévu pour elle, malheureusement. Où es-tu? Petit chat, petit chat. Oh, t'es là, trop bien. Oh, coucou, oh, tu m'avais trop manqué. Tu m'avais trop manqué. Je t'adore, tu es le meilleur chat du monde. Ah. Vous êtes qui? Ah. Donne-moi ton chat. Au secours, vous êtes qui? Ah. Je suis le lapin crétin. Non, c'est pas ça, je suis le lapin crétinus. Donne-moi ton chat et enfuis-toi. Esteban, il s'est passé un truc horrible. Il y a un monstre qui m'a poursuivi et qui a pris le chat. C'était horrible.
Arrête de raconter des bêtises, un monstre. C'est toi le seul monstre. La fille qui ramène des chats de je sais pas où, là. Oula, c'est qui derrière? C'est vrai, il y a des gens bizarres chez nous. Vas-y, rentre dans les toilettes, je vais essayer de régler ce problème avec cette personne. Non mais arrête de raconter des bêtises, moi ce chat je l'adore, il est trop beau, c'est le plus beau chat de ma vie. S'il te plaît, on peut le garder. De toute façon, je vais aller, je vais poursuivre sa recherche. Parce que moi, j'ai pas envie de l'abandonner, il est tellement mignon. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, je le connais pas. Non, je rigole, débrouille-toi avec ton chat. Moi je m'en fiche, problème réglé, je l'ai laissé dehors. Après, à toi de le récupérer et fabriquer une cabane pour lui. Mais je veux pas de ça chez moi. Bye le chat. Ciao, ciao le chat. Ah, c'est qui? Ah, c'est qui derrière? Non, mais je rêve, il y a quelqu'un chez nous, là. Débrouille-toi. Ah, B. Ah, j'ai peur. C'est quoi, ça? Lily Rose, toi aussi, t'as peur. Ah, Lily Rose, elle est en panique, elle est en sueur. Ouh là 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 là, je suis en sueur. Y'a qui chez nous? Y'a vraiment quelqu'un chez nous? Quelqu'un qui a volé le chat? En vrai, je voulais pas l'abandonner, ce chat. Je voulais qu'il vive et ensuite le récupérer pour l'offrir à Lily Rose. Ah, mais du coup, c'est foutu. Y'a quelqu'un qui l'a capturé. Sébane, c'est bon, il est parti? Oh, ah. Ouais, c'est bon. Je vois personne. Mais bon, on l'a échappé très belle. Mais du coup, qui l'a capturé? Venez, venez voir où j'ai enfermé ce chat. Venez voir. Ah, voici ma maison. Je suis le lapin. Le lapin mangeur de chat. Ah, ah, bougez de là. Regardez qui voilà. Le chat qui mange notre nourriture. Bon là, c'est plus à nous, hein, on l'a déposé par terre. Bon bah on va vous donner quelques explications supplémentaires sur ce chat, parce que ça s'est vraiment, mais vraiment pas passé comme prévu. Comme vous l'avez vu, on l'a retrouvé, sauf qu'il a décidé d'en faire qu'à sa tête. Mais bon, je vous laisse regarder ça. Bon voilà, cette vidéo est terminée, Lily Rose est là. Oui, donc en fait, comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas notre chat, c'est le chat du voisin qui arrête pas. En fait, les chats ont pas le droit de rentrer dans les maisons. Ouais. Parce qu'on habite à la campagne. Mais genre, ils ont une cabane et tout. Parce que là c'est la campagne, du coup, ils rentrent souvent chez nous les petits chats pour prendre de la nourriture. Et du coup on s'est dit, et si on faisait une vidéo avec cette petite bête trop mignonne. Donc vous inquiétez regardez, pas, hein. Il miaule beaucoup parce qu'il a envie de sortir. D'ailleurs on va libérer la bête. Ouais. 3, 2, 1. Oh non. Tu fais beaucoup de bruit petit, hein. Au pire on fera le plan quand il sera parti.